c'était quoi? Vous avez choisi donc quoi? Quand le chef d'État me nommait, il n'a pas vu que j'étais déjà PCA. Hein? Bon, entre PCA d'une société et Sénat, est-ce qu'il y a le budget à Sénat? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas le budget là-bas. Donc, si quelqu'un est PCA d'une société, comme un CDE, il y a le budget. Le PCA part en prison. Hein? Mais, le PCA. Et pas tout souvent aussi en prison. Je peux mourir pour mon pour mon humilité parlementaire. Humilité parlementaire. Humilité. Oui, je peux mourir pour mon humilité parlementaire. Mais je vous dis, si quelqu'un cumule, ce n'est pas seulement nous qui cumulons. Parce que le ministre en face. Ok. Je n'ai pas fini. Vous allez finir. Il est PCA de CIA TV. Est-ce qu'on vous a demandé de venir? Attendez. Je suis un homme. Attendez. Je suis voté. Vous êtes nommé. Parlez de vous. Je dis, il est PCA, il est ministre. Ah oui. Pourquoi on voit que pour nous, il est président du parti politique. Et il est président de FNS. Oui. De FNS. FNS. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, il ne faudrait pas que. Il ne faudrait pas voguer dans l'amalgame. Oui. Bon, des gens qui dorment toujours à l'hémicycle. Aujourd'hui, ils se mettent à faire l'inventaire. L'inventaire des fonctions, je n'accepterai pas ça. Je vous honorable, avec tout le respect que je vous, vraiment. N'extrapolez pas, vous vous adressez à un leader du parti politique. Très bien, mais monsieur le leader, monsieur le président du FNSC, à qui on vous dit bonjour, je voudrais que vous interpellez plutôt sur un autre sujet. C'est une république du cumul là, parce que votre patron, vous connaissez votre patron, il est patron des magistrats, patron des ministres, patron des armées, patron des footballeurs, patron des mairies, des députés, des sénateurs, du conseil, patron de tout finalement, le patron même de Manachan, qui est votre maire. Vous aussi, vous avez l'impression que lui-même, c'est aussi un cumulard, non? C'est le président Paul Biya qui définit qui est cumulard et qui n'est pas cumulard. Bon, et vous, c'est, vous... Non, vous, mais vous savez, le président Paul Biya, s'il voit que vous êtes cumulard, vous êtes cumulard. Vous ne pouvez pas, arguer que le président Paul Biya est un cumulard. Il est omniprésent, omniscient. Vraiment, c'est l'expression totale du Seigneur Jésus-Christ. Et un autre cumulard sur le plateau, le président du syndicat des marabouts, parce que il est jeté de courir sur le plateau, entre-temps il disparaît pour aller faire la revue de presse. C'est aussi une république de cumulards ici, j'ai l'impression. Le président du syndicat des marabouts. C'est carrément le président d'Ascovia, l'association des consommateurs de viande rare. Vous également, vous cumulez. Oui, je cumule et j'assume. Et je vous rappelle que les sénateurs actuels vont continuer à cumuler jusqu'à cumuler jusqu'à ils vont cumuler. Personne ne va pas l'acheter. Voilà. Ils sont membres de l'Ascovia aussi. Ils sont membres de l'Ascovia. Vous savez, l'Ascovia, les viandes là, comme les cafards, les chauves-souris, nous mangeons les comme ça, les fourmis maniens. Donc ils sont membres de la possibilité de cumuler. Oui, c'est ça qui nous donne la puissance et l'élégance même. De cumuler. Et je pense que si vous voulez être cumulard, il vous suffit de venir dans ma piscine miraculeuse. Il faut rappeler que le maudit pasteur que ce démon a substitué aujourd'hui a dit que mon nom a déjà le Kamnogo. J'ai changé mon nom hier. Monsieur. Et je tiens à te dire, mon nom brille et mon nom lave. Je peux vous démontrer par A plus B. Je vais jeter. Voilà mon client. Je vais jeter un chose. Ok. Allez, pasteur Valérie va revenir ici. Je vais. Alors, on va parler de pasteur qui? Je vais chuter. Tu vas parler de pasteur qui? Chuter en. Tu vas parler de pasteur qui, toi, là? Pasteur Oga, docteur. Pasteur Oga. Tu vas parler de pasteur qui? Non, pasteur Valérie qui. Il y a un pôle et il y a un autre pôle. Le pôle, quel est à Kigali? Quel est décidé que tous les faux pasteurs. Oui. Et va. Disapia. Donc l'autre pasteur, l'autre pôle ici, il va également. Oui, parce que le pasteur qu'elle est venu, a donc comme tourné la foyer. C'est un escroc, il a fui. Oui, bon. Et que tu as vu tout à l'heure, mon air glacis, elle était cassée. Par la puissance de l'écoute. Voilà le verre, elle est reviendue, non? Pour c'est le marabout. Je brise ça. Je brise.
Ok. On a arrangé. Donc, ok. Je ne suis pas parti dans un technicien pour qu'il ait arrangé. Dieu, elle est dans le décide de l'autre. Bon, maintenant, donc, pour les sénateurs, là, ceux qui occupent son. Oui, vous allez chuter. C'est d'ailleurs vous qui allez conclure. Et ils vont démissionner. Chacun est porté son croix. Everybody to the cross. Il y a un qui est même de là-bas qui est sénateur et qui est dans une grande société de téléphonie mobile ici comme PCA. Ça veut dire que c'est l'accumulation des fonctions. Yes. Mais vous êtes disé tout à l'heure, mais le patron de cet émissier. Oui. À l'église aussi, vous avez l'impression qu'on ne cumule pas. Je ne cumulais pas. Vous cumulez, vous êtes privilégié. J'interdis formellement qu'on traite le président Paul Biya de cumula. On n'est pas appelé. On n'a pas appelé. Il a dit mon patron. Et mon patron, c'est le président Paul Biya. Voici le gouvernement ici. Je ne voudrais pas qu'on se fasse tant d'amalgames. Okay. Le président Paul Biya n'est aucunement cumula. Même le pasteur, si c'est un cumula. Il est chef de famille dans sa famille. Il est dernier né dans sa famille. Il est le cousin de son cousin. Il est même le petit-fils de son grand-père. Il est le trésorier de son église. Il est pasteur. Il est président du syndicat des pasteurs. Okay. Il est cumula. Tu balles, en 10 secondes, vous allez démissionner, oui ou non? Pour que je démissionne, il faut que les ministres qui sont aussi cumulativement avec leur fonction de PCA, ils démissionnent. Pasteur, chef de famille, très bien. Adultère, c'est que lui-même est. Bonjour à Maître Elonga, avocat au barreau du Cameroun. Bonjour également à Madame Jenny Elisabeth Vanessa. Bonjour à Monsieur Mundjutri David de la SICAM. Allez, on va prendre le troisième thème. À qui profite la mise en examen de Vincent Bolloré? Ça se passe voilà là où le marabout intervient. Et il nous reste très peu de temps. Je sais qu'on va être concis, clair et précis. On commence par le président du syndicat des marabouts. C'est lui qui avait la parole tout à l'heure. Monsieur le ministre, on commence par vous. C'est la voix la plus représentative sur le plateau. C'est moi qui représente le peuple. Lui, il est nommé. Allez, à qui profite l'interpellation et la mise en examen de monsieur Vincent Bolloré? Je tiens d'abord à remercier le président Paul Biya parce que le président Paul Biya a toujours prescrit. Il a oublié la justice, son parti politique. Hein. La justice, l'égalité des chances dans ce pays. Le président Paul Biya, si vous me posez la question de savoir quelle est sa position, sa position, c'est pour que justice soit faite. Si Bolloré a bolléré, il faudrait que la justice fasse son travail. Si Bolloré a fait comment? Bolloré. Si Bolloré a bolléré. Ok. La justice doit être appliquée. Très bien. Tout le monde a besoin de la lueur du soleil. Tout le monde a besoin de cet oxygène. Mais si un individu reste, confisque tout de manière illégale, c'est contrairement à la doctrine du président Paul Biya. Merci beaucoup. Bolloré, désormais on peut dire qu'il est perdable au Cameroun. Il y a quand même le port, il y a Cambra, il y a misogène anti-héroche. Ça c'est un vocabulaire français, vous n'avez pas fréquenté, vous ne pouvez rien comprendre. Je pense que Bolloré est aujourd'hui victime de son talent et
de la brillance par excellence même depuis qu'il s'est lavé dans ma piscine miraculeuse. Voyez-vous, ne soyez pas dupes. Grâce au président du syndicat de Marabout, après que Bolloré est venu se laver dans ma piscine miraculeuse, vous avez vu la salle de spectacle qui a du côté de l'université là-bas. Oui. Vous êtes dansé, c'est comme si vous êtes en Turquie. C'est comme si vous êtes en Chine. C'est comme si vous êtes à Melbourne. C'est une salle de 200, c'est une salle de 150 personnes. Vous avez organisé. Même non, mais si attendez. Non, non, mais c'est il y avait dans cette salle-là ici. Il y avait de l'espace en Guayaquil. On pouvait faire une salle. Et il y avait d'abord ça avant. Non, monsieur. Vous avez vu la Douala. Vous voyez, au niveau de port, Bolloré même a des ports. En dehors des ports qui viennent penser en Afrique, Bolloré, hein, élève des ports. Alors, si le président Macron, mes polices sont claires, monsieur, le président Macron, qui n'apprécie pas la politique de Bolloré en Afrique, parce que Bolloré a développé l'Afrique, et il a aussi légèrement pillé. Mais il a plus développé. Il a légèrement les polices sont nettes. Bon. Il a plus développé l'Afrique okay. que les pillés. Je pense que Bolloré, dès qu'il est même déjà libre, il vient dans ma piscine, il va faire un lavage complet avec un bendage. Et je pense que le reste va... Le volant, docteur, before your question, please try to tell us, ton nom encore c'est quoi, le volant, docteur? Docteur? Écuménitativement. Fais savoir, tout écrit dans les choses mondaines. Parle ton nom, je dois aller... Non, get out! You fool! Je t'envoie le nom. Tu as envoyé de qui? C'est de moi que tu as envoyé? Oui! Mi, yi, akapara, ou naya, nakapara, tu ne dois pas réparer au wallo du naka, et dois ma sonde. C'est moi, j'envoie ça de fait. Ok, révérend docteur, donne-moi avec. Les paroles de la Bible, elles disaient, tout va ne pas vexer devant de quelqu'un, elle n'est pas de sens. Elle dit d'abord, ici, on n'est pas parti de l'école. Tu es déjà voyé et de Marabout et d'Angoscou. Vous lisez des Bible, comprenez. You speak English, speak French, speak German. Harvey Desay, that is German. Harvey Desay. Beaten. Tu es déjà voyé que quelqu'un n'est pas parti de l'école. Elle parlait de 3000 langues. Vous dites que Bolloré, c'est sponsorisé son église. Il n'a pas rien dit sur ça. Je disais à Bolloré. What you can do, bon. You come to church. Oui, oui, le journaliste 5 étoiles, c'est lui qui peut même supporter tous les gens, ceux-là. Hein? Bonjour également. Okay. Bonjour également à M. Ibrahim du Canada International.